Ça a commencé, j'étais tranquille chez moi, puis j'ai commencé à entendre un voisin imaginaire, il n'arrêtait pas de parler de moi. Il m'insultait, c'était l'enfer. Le premier jour, j'ai tenu le coup. Mais au bout de 8 jours, je suis devenu fou. Il passait ses journées à m'insulter de tous les noms. C'était un vrai cauchemar, j'en voyais pas le fond. J'ai passé 3 mois dans une centrale psychiatrique. J'ai vraiment eu du mal à sortir de mon délire. J'étais convaincu que ce putain de voisin existait, mais personne n'était là, c'est moi qui l'inventais. La psychose est une maladie atroce. Exploser ta tronche, massacré par un sale gosse. Les molosses arrivent dans ton délire psychotique. Le pire est à venir dans ton grand délire sadique. La psychose est une maladie atroce. Exploser ta tronche, massacré par un sale gosse. Les molosses arrivent dans ton délire psychotique. Le pire est à venir dans ton grand délire sadique. Il faut presque 15 ans pour un peu récupérer. Après une crise pareille, t'es ultra tout fracassé. Le silence de la mort te donne même du plaisir. Après une crise pareille, on veut tous mourir. Pour tous tes amis, tu es devenu fou. Les gens sont des animaux qui sont prêts à tout. Plus personne ne te parle et plus personne ne vient te voir. Le brouillard de la maladie, la solitude dans ce cauchemar. La psychose est une maladie atroce. Exploser ta tronche, massacré par un sale gosse. Les molosses arrivent dans ton délire psychotique. Le pire est à venir dans ton grand délire sadique. Je voulais pas te le dire, mais cette maladie c'est pour la vie. On va te gaver et te faire gober. Médicament du vice, c'est la seule chose à faire pour ne pas replonger dans la folie ultime. Tu vas toujours marcher à côté de l'abîme.